Aujourd'hui, je vais à la rencontre de trois professionnels des métiers des industries technologiques pour découvrir et mieux comprendre le métier de technicien maintenance industrielle. Le technicien maintenance a pour fonction principale d'assurer la maintenance préventive et la réparation des machines et outils de l'entreprise. Toujours en alerte, il détecte et anticipe les pannes ou les dysfonctionnements en veillant à ce que tout fonctionne. Il a donc un rôle essentiel dans l'entreprise. Alors en quoi ça consiste votre métier de technicien de maintenance ? On est à recherche de pannes à longueur de journée. C'est un peu comme une voiture. Une voiture, on l'amène au garage pour les révisions. Là, on fait une maintenance préventive. En fin de compte, on essaie de prévenir certains accidents. Souvent, c'est en observant bien les machines qu'on découvre des futures pannes qu'on n'aurait pas forcément décelées en passant à côté sans faire attention. C'est un métier très diversifié où il n'y a pas vraiment de routine parce qu'on est un peu ouvert à plusieurs domaines, allant de l'électricité, la mécanique, le pneumatique, l'hydraulique. Vous pouvez nous raconter un petit peu concrètement ce que vous êtes amené à faire dans la journée ? C'est varié quand même sur les machines industrielles. Ça peut être une casse mécanique, un roulement, moteur électrique, carte électronique. Ça peut être vraiment assez divers. Au niveau compétences, donc ça demande une connaissance assez générale sur un peu tous les domaines. C'est très complet. Par rapport aux demandes des gens, on essaye de créer, de réfléchir à des améliorations sur leur poste de travail, qu'ils soient moins fatigués ou qu'ils soient, ça travaille plus rapidement mais moins péniblement. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes venu à ce métier-là ? J'ai fait un BTS en mécanique et automatisme. J'ai fait en alternance CAP, BEP, mécanicien monteur. Je suis électricien à la base et je me suis plus mis dans la maintenance parce qu'en fin de compte, ça touchait tous les métiers. Pour être technicien de maintenance aussi, il faut avoir la valeur du relationnel avec les gens parce que les gens nous aiguillent beaucoup vers les pannes. Savoir les comprendre leurs besoins, chercher, réfléchir. Parce que bon, sur une panne, c'est les gens qui vous dirigent vers la panne quand même. Ils sont tous les jours sur la machine ou sur leur ordi. C'est eux qui nous dirigent vers la panne, qui nous disent voilà, avant comme ça, maintenant c'est ça. Et donc nous, après, on cherche pourquoi. Donc il faut avoir une super relation avec les gens. Il faut aimer travailler en équipe. Contrairement à ce qu'on pense, même si on fait de la mécanique, c'est pas une voie de garage. Ouais. Parce qu'il y a plein de débouchés. Le coup de la panne, ça marche toujours, ouais, en fait. Tout à fait. Merci encore à vous de m'avoir présenté votre métier de technicien de maintenance. Et ce métier, on peut le retrouver dans tous les secteurs de l'industrie technologique. L'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, l'électrique, l'électronique, l'informatique, le mécanique, le ferroviaire, les produits métalliques, le naval et les énergies.